J'avais promis de ne pas faire de vidéo, mais voilà. Alors, je prends 5 minutes, enfin, 5 minutes, comme ça, 5 minutes, pour vous faire une vidéo, car j'ai reçu un petit courrier et je sais qu'elle s'inquiétait de savoir si j'avais reçu son courrier. Donc, je prends vraiment 5 minutes pour faire la petite vidéo. Et en plus, je suis super contente parce que dans ce petit courrier, j'ai reçu mon tout premier, vous allez voir quoi. Je vous en dis pas plus tout de suite. Donc ce courrier vient de Christelle et de sa maman, donc Christelle Abio, pardon, et bien sûr bah, c'est pour mon mariage, hein. Et j'aime beaucoup beaucoup sa carte, donc je vous montre d'abord la carte et je vous montre le petit plus après. Alors faites pas attention, là vous voyez, donc je suis avec mon ordinateur, là il est dans mon atelier parce que bah, là maintenant ça y est, ma pièce s'est bloquée. L'ordi est enlevé de là-bas et je suis en train de préparer. Hein, on est vendredi. Demain, comme je vous avais dit, c'est le mariage. Voyez, je suis allée chez le coiffeur. Bon, là, c'est déjà un peu enlevé, mais ce sera mieux demain matin. Mais on a un petit peu ratiboisé. J'ai fait mes petits ongles hier. Voilà. Voyez. Mélanie, si tu passes par là, je fais ma Pamela. Ma Paris Hilton. Waouh. Tu comprends, elle comprendra pourquoi, et puis certaines aussi comprendront pourquoi je dis ça. Voilà, donc j'ai fait mes petits ongles hier, et vous voyez, l'ongle qui aura l'alliance est fait en doré. Voilà, bon, peut-être un petit plus comme ça. Donc, bon, là par contre, je ne suis pas maquillée, hein. Ça sera demain ça. Oui, donc voilà, je vous disais, donc j'ai reçu une carte de Christelle et de sa maman. Une jolie, très jolie carte, que j'aime beaucoup. Enfin, toutes les cartes que j'ai reçues, je vous rassure, je les aime beaucoup, beaucoup, hein, toutes. Alors, je vous montre, voilà. Alors, j'espère que ça va aller, hein, parce que je vous dis, comme je vous disais, je suis dans mon atelier, donc faites pas attention au bordel qui est là, qui est là-haut, parce que je suis avec la cam de l'ordinateur. Donc là, vous voyez ce que vous ne voyez jamais d'habitude. Là, il y a un frigo, mais c'est pas un frigidaire. Enfin, si, c'est un frigidaire. Mais on s'en sert maintenant comme armoire à outils. Donc il n'y a plus le moteur et on s'en sert comme armoire pour les outils. Voilà. Bon, allez, je reviens à la carte. C'est quand même plus sérieux. Voilà. Donc la première partie de la carte, enfin le devant de la carte, donc où elle a marqué Vive les mariés. Il y en a une qui gratte à la porte. Bon, allez, je reviens. Et elle dormait, hein. Allez, mémé, dépêche-toi. Hop là. Maman n'a pas le temps aujourd'hui. Hop là. Alors, voilà la première partie. Donc, c'est marqué Vive les mariés avec un joli galon. J'aime beaucoup cette dentelle. Je la trouve très jolie. Bah oui, bah tu grimpes hein, si tu veux dire bonjour. D'habitude, tu sais le faire. Une deuxième partie qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Où elle a mis des petits cœurs, des... Voilà, alors vous voyez passer la queue à Fifi. Non, mes arbres. Non, 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 mes arbres à rose. Pitié, tu n'y touches pas, c'est pour la table. Si elle touche à mes arbres à rose pour le mariage... Non, Fifi. Non, non, non. Désolée, hein, désolée, mais là, elle va me faire des catastrophes. Descends, descends. Maman, elle ne veut pas que tu touches à ça. Christelle, je crois que tu vas réussir à montrer ta carte. Je pense. Non, Fifi, descends. Maman ne veut pas là. Donc voilà, la deuxième partie de sa carte. Je vais y réussir. Donc elle a marqué en ce merveilleux jour, nous vous adressons nos sincères félicitations et tous nos voeux de bonheur. Vive les mariés. Bisous à tous deux, Christelle et sa maman Madeleine. Voilà. Donc elle a fait des petites alliances. Là, elle a marqué mariage, tout. Et, mais il y a une troisième partie. Bon, oui, j'étais complètement hors champ, vous voyez. Il y a des petites alliances, marqué mariage, tout. Mais il y a une troisième partie encore. Voilà. Ici. Donc, une découpe avec la bouteille de champagne, le verre, la petite fleur, les petits mariés et... Avec des alphabets strass, elle a marqué nos prénoms, Edith, Jean-Luc.
Les petits cœurs, a vraiment mis plein, plein, plein de petites choses qui rappellent le mariage. C'est vraiment très, 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 très joli. Et je vous rappelle que toutes les cases sont vraiment très jolies, hein. C'est pas vraiment seulement celle de Christelle qui est plus jolie que les autres. Mais j'aime vraiment beaucoup aussi. Et derrière, voilà, elle a remis aussi des petites dentelles. Je pense que ça va être les petites dentelles d'action, ça, je pense, je ne suis pas sûre. Mais je pense. Donc, mais elles sont très jolies. Et derrière, un petit tamponnage 100% fait main. Voilà. Elle est très, très jolie. Christelle et Madeleine, hein, puisque maintenant, je crois que j'avais déjà vu le prénom de ta maman, mais je ne m'en rappelais plus. Donc, Christelle et Madeleine, je vous fais à toutes les deux des gros bisous et je vous dis un grand merci. Alors, le petit plus, et je suis contente parce que on en a parlé dans une vidéo, de Mélanie, je crois qu'on parlait de ça dans un live. Je crois que c'est dans un de tes lives qu'on a parlé de ça, je ne suis plus tout à fait sûre. C'est les Floustags. Voilà. Donc, j'ai mon tout premier, ah, Fifi, mon tout premier Floustag. Voilà, donc on a les ATC, on a les pocket letters et maintenant il y a les Floustags. Voilà, donc ce sont des cartelettes que l'on découpe en forme de bobine. Vous savez, comme les cartelettes de fil à broder. Voilà, oh, Fifi, allez, hop, zou! Et donc on les décore bah, comme les ATC, mais en forme de cartelettes de bobines de fil à broder. Voilà. Et je trouve ça tout mignon. Mais c'est vraiment ma toute première. En plus avec une fifille dessus. Et puis un petit oiseau, comme avec mes petits canaris. J'adore vraiment beaucoup. Merci beaucoup, les filles. Alors derrière, elle a marqué, et vous voyez, bon, derrière, bon, ça, elle n'a pas mis son adresse, donc je peux mettre. Je sais pas si vous verrez bien, voilà. Donc, on fait comme pour un ATC, donc elle a marqué Floustag, le thème, c'est le chat. Numéro 2 sur 5. La date, elle l'a fait le 10 avril. Elle a mis son nom et son email, voilà, donc on fait comme un ATC. Voilà, donc j'aime bien aussi cette forme d'échange, ben, un peu comme, ben, c'est un peu comme les ATC, mais ça change de forme. Voilà. Donc par contre, pour les dimensions, si ça, ben, tant qu'on l'a dans les mains, je pense que les dimensions sont. Tu as fait les dimensions que l'on doit faire pour ça. Alors, la dimension qu'elle a faite, là c'est. Fifi, arrête! Mais non! Alors, là en bas, la plus grande largeur, c'est 7. Et la plus grande. Je vous jure, c'est pas facile tous les jours avec Fifi. Hein. Et la plus grande hauteur, c'est presque 9. Tu me rediras, Christelle, mais là, bon, je mesure à vue de nez. Hein. C'est presque 9. Donc, ça fait bah, 7 sur 9. Presque comme une pocket letter, un tout petit peu plus large. Je pense. Et je regarderai sur internet les dimensions, mais bon, je pense que tu as fait les dimensions que l'on fait pour ce style de carte, de cartelette. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que bah, du coup, c'est ma toute première. Voilà. Donc voilà, bah, je voulais faire cette toute petite vidéo rapide, rapide. Voyez, elle fait moins de 10 minutes. Je me dépêche maintenant de continuer ce que j'ai à faire. C'était une catastrophe pour rentrer tout dans le frigo, parce que j'étais chercher mes gâteaux. Alors, bien. J'ai pris une forêt noire. J'adore la forêt noire. Donc, j'ai pris une forêt noire. Donc, l'emballage, bon, j'ai pris à Cora. Hein. J'ai pas été chercher chez un pâtissier. C'est beaucoup trop cher. Mais leurs gâteaux sont vraiment très, très bons. Donc, la forêt noire ronde, emballage normal. J'ai pris un fraisier rectangulaire. Alors, c'est un 10-12 personnes. Donc, le truc, il fait quoi? Ouais, bah, comme ma règle, hein, 30 cm.
Ils m'ont foutu une boîte de 50 cm. J'ai dit à la vendeuse, je dis, vous savez pas me le mettre dans une boîte plus petite pour que ça rentre dans mon frigo? Elle a été voir le pâtissier. Non, non, on n'a pas de boîte plus petite. Oui, mon œil. Donc là, je me suis bagarrée toute seule à remettre le gâteau sur un plateau. Parce que heureusement, j'ai acheté des plateaux dorés, vous savez, en carton. Donc j'ai transféré mon gâteau en essayant de ne pas le casser sur un plus petit plateau, de remettre du papier cellophane sans toucher la garniture du gâteau et tout, pour rentrer dans mon frigo. Et j'ai pris, alors nous ici dans le nord, enfin c'est nous à Cora, ils font ça, il y a les tropéziennes dans le sud, et nous il y a ici, il y a les norziennes. Voilà. Donc c'est la même chose, à part qu'il y a de la cassonade en plus. Voilà. Donc j'en ai pris une aussi. Bon, ce sera bien. Si donc j'ai en gâteau, ben, j'ai un fraisier, une forêt noire et une norzienne. Voilà. En plus de tout ce que j'ai pour l'apéritif du natoire. Voilà. Alors le frigo et tout n'est pas très grand, mais là il est blindé à fond. Voilà. Allez, maintenant je me sauve. Ça y est, j'ai dépassé les 10 minutes. Ah, oh, Didi, t'es une pipelette. Allez. Ça m'a quand même fait plaisir de vous faire cette petite vidéo, malgré qu'elle n'était pas prévue. Allez, je vous fais plein de millions de bisous, Fifille. Vous voyez sa queue là? Elle vous fait plein de les chouilles aussi. Hein? J'espère qu'elle ne va pas trop m'embêter. Hein? Tu vas pas m'embêter? Non? Et j'espère dormir cette nuit parce que moi, je n'ai pas dormi du tout à cause de mes douleurs. J'ai passé une nuit d'enfer, donc j'espère que cette nuit ça ira, parce que sinon demain il faut être en forme. Voilà. Bon, désolé pour la luminosité qui est pourrie, je le vois en retour d'image, mais bon, j'avais pas le temps d'installer ma caméra ni rien, donc voilà. J'espère que vous aurez bien vu quand même la. Ah, Fifi, arrête! Que vous aurez bien vu la carte de Christelle et de sa maman. Et Christelle et Madeleine, encore un gros gros merci. Et voilà, te voilà rassurée, j'ai bien reçu ta carte et elle m'a fait énormément plaisir, comme toutes les cartes que je reçois. Allez, bye bye, maintenant, c'est sûr, vous ne me verrez plus avant le début de la semaine prochaine. Bon week-end à tous, je vous embrasse, je vous aime toutes, à bientôt!